Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, pour cette nouvelle semaine, nous entamons les deux derniers jours du mois d'avril et nous commencerons le mois de mai. Alors aujourd'hui, nous sommes le 29 avril 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Alors pour cette semaine, eh bien pour commencer, on continue toujours avec la petite philosophie du matin. Et puis pour cette semaine, j'ai pris l'oracle de l'énergie, un magnifique oracle et qui se lit à l'envers et à l'endroit. Donc la signification des cartes se lisent selon le tirage, qu'on les a tirés à l'endroit ou à l'envers. Et puis je terminerai avec le petit message de ton âme, un oracle magnifique. Avant de commencer, eh bien voilà, petite philosophie du matin, l'étincelle. Il faut prêter attention aux détails de la vie. Son conjoint est irritable. Question, hein? Eh bien, cherchez à savoir pourquoi. Question. Le petit dernier travaille mal à l'école. Eh bien, prendre rendez-vous avec l'instituteur. On s'essouffle plus que d'habitude en faisant du jogging. Eh bien, consulter sans attendre un médecin. Alors, il faut se souvenir qu'une petite étincelle négligée peut provoquer un énorme incendie. Voilà le message de la petite philosophie de ce matin. Alors, l'oracle de l'énergie. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le monde à l'envers. C'est vrai que nous vivons dans un monde où c'est pas rose tous les jours, n'est-ce pas? Mais c'est pour le nouveau monde. Et on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Alors, encore une fois, soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre avec la signification de la carte, et puis ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. C'est pour ça que soyez bien à l'aise de prendre ce qui résonne en vous. À l'envers, la carte du monde, eh bien, elle signifie que vous avez grandement limiter votre vision des choses. Vous n'avez plus cette même vision que vous aviez. Vous croyez, eh bien, que vous avez très peu d'options pour agir ou que vous méritez peu. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez vous sentir emprisonné dans de vieilles façons de faire, sans savoir vraiment, n'est-ce pas, comment en trouver de nouvelles. Mais c'est votre état qui fait que c'est comme ça. Eh bien, cette carte vous invite à penser de manière créative, à sortir, eh bien, de vos sentiers battus. De plus, vous vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, enfermés dans une bulle sur le plan émotionnel. Et cela peut être dû parce que vous êtes entourés de toutes parts par des énergies comme la peur, le manque de vision à long terme, mais pas que des pensées limitées ou encore le doute de vous-même. Vous vous êtes mis dans cette bulle par
ce que vous avez vécu et cette peur, ces doutes, des pensées limitantes qui fait que, oui, vous vous êtes mise dans cette bulle émotionnelle. Mais vous le savez comme moi, n'est-ce pas, qu'il est toujours possible de chasser ces énergies négatives. Et cette carte, eh bien, elle vous dit de ne pas attendre. Et moi, je vous dirais de ne pas attendre une minute de plus pour le faire. Il est temps. Il est temps de briser les frontières, de voir, eh bien, ces horizons illimités qui vous entourent et de savoir, eh bien, que le monde attend que vous jouiez le rôle principal de votre propre vie. N'oubliez pas que seul vous êtes maître à bord. Vous êtes acteur de votre vie. C'est vous qui décidez. Vous avez les pions. Vous êtes le capitaine de votre vaisseau. L'affirmation pour aujourd'hui, vous allez dire ceci. Ma vie rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie. Un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. Et Dieu sait que, au fil des capsules que je fais, il est tellement important d'être toujours dans l'affirmation, d'être toujours dans ces pensées positives, parce qu'à ce moment-là, vous attirez à vous le positif. Eh bien, je trouve que, voilà, c'est le monde est à l'envers, mais c'est quelque chose que vous devez penser, que vous devez réfléchir le pourquoi que vous êtes dans cet état-là. Donc, on vient éclairer votre petite lanterne. Et on vient vous dire, allez, il est temps de chasser ces mauvaises énergies, n'est-ce pas? Je termine avec message de ton âme. Et le message, c'est, eh bien, se remettre en question. Quelle belle synchronicité avec ce monde à l'envers! Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou alors le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Waouh, waouh, waouh! Quelle belle résonance avec ce monde à l'envers. Donc, voilà, on met quelque chose en lumière, là, hein, se remettre en question. Pourquoi vous êtes dans une énergie, dans de basses énergies que ce monde, que j'ai pigé ce monde à l'envers. Eh bien, voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.